tous GG après Apolline de Malherbe lundi, après Estelle Denis hier, après Vincent Moscato, après Jérôme Roten. Nous accueillons Daniel Riolo. Salut Daniel. Bonjour à tous, ça fait un peu dernier de la classe quand même. Oui, c'est vrai, ça fait un peu dernier de la classe. Oui. Pourtant, tu es... Pourtant à l'école, j'étais toujours premier de la classe. Et tu es le premier podcast de France quand même, l'After Foot. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. On est devant les grosses têtes. On est premier de la classe dans ce domaine, c'est vrai. Ouais, bravo. Donc on est content. C'est le meilleur pour la fin, c'est ça? Ah bon, on peut le voir comme ça, alors très bien. Tu connais les grandes gueules, tu as déjà participé à l'émission. Oui. C'est vieux maintenant, mais c'est quoi, 2019? Oui, ouais. C'était mal terminé avec un communiste, tu te souviens? Le communiste qui ignorait l'existence du pacte germano-soviétique. Allez, oui. On va pas y revenir, mais en revanche, Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC, ça donne ça. C'est le pire des arguments de la Terre, l'argument des goûts et des couleurs. Non, c'est pas les goûts et les couleurs. Parce que sinon, ça veut dire que les goûts et les couleurs... Mais non, c'est pas un argument. Sinon, ça veut dire que tu peux préférer ta carrière de Gourcuff à celle de Zidane. Parce que le goût et les couleurs... Non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde. Voilà. Par exemple, les étudiants en cinéma, ils passent des années à étudier les films, les plans, machin. Et il y a un mec qui va arriver et qui va dire « Oh, moi, je préfère Taxi aux Parrains. » Mais va te faire foutre, t'es nul, tu connais rien. Alors c'était pendant le confinement, on était très agités. Oui, t'étais très énervé pendant le confinement. Je retire pas le fond, mais l'enrobage un peu vulgaire parfois. C'est rarement calme dans l'after. Oui, parfois je m'en veux de ces emportements, surtout quand ils frisent le vulgaire comme. Ça fait l'ADN. Mais c'est vrai que bon, parfois. L'ADN de l'émission. Mais c'est cette séquence, c'est curieux parce qu'on avait fait donc les combien ça avait duré 2 mois d'émission où en plus on savait pas si on devait continuer ou pas. On est une des rares émissions à avoir continué pendant le confinement. On était tous chacun à la maison et finalement ça a donné des émissions dont on se souvient avec effectivement parfois le soir ça déviait sur des choses. Je me souviens plus comment on en était arrivé à parler du goût et les couleurs qui est une expression c'est vrai que j'ai jamais supporté. Mais t'es connu pour les coups de sang. Oui. Tu les programmes? Ah bah non parce que sinon ça pourrait pas être sincère. C'est toujours sincère. Je pense que c'est ce qui fait que l'émission marche depuis plus de 15 ans maintenant. Est-ce qu'avec le temps... s'il est programmé, ça serait vulgaire. Là, c'est grossier. C'est pas vulgaire. Ouais, j'aime beaucoup cette nuance. L'after, est-ce que le professeur Lefebvre, ou pardon, la professeur Lefebvre pourrait valider cette nuance que j'aime beaucoup? Entre la grossièreté et la vulgarité? Ah oui, bien sûr. Ah bon, merci alors. Pour moi, la grossièreté, il y a une forme de grossièreté là, mais c'est absolument pas vulgaire. Il y a des gens très qui s'expriment très correctement, des airs très pincés qui sont d'une vulgarité extrême. Et qui ont des comportements vulgaires. Voilà. Mais Daniel, il y en a beaucoup dans la classe politique notamment. Ça fait combien de temps l'after? Une vingtaine d'années. 2006, la première émission. Ouais. Donc tu t'assagis avec le temps ou pas? Je sais pas répondre à cette question. Je pense. Enfin non, en fait, je pense peut-être pas. On contrôle peut-être un petit peu, mais je pense que c'est comme vous, c'est comme dans toutes les émissions, peut-être un petit peu ce qu'on dit. Il y a des blagues ou des analogies qu'on faisait il y a 10 ans qu'on se permet plus du tout de faire. Après, si ça s'agir, ça veut dire contrôler les emportements. Il m'arrive de me le dire et d'être ensuite complètement pris par l'événement et on va dire de craquer à nouveau quoi, et de me laisser aller peut-être un petit peu trop à la passion. Mmh. Donc, quel est le sujet épidermique? Le sujet qui te fait partir au quart de tour? La nullité de nos clubs en Coupe d'Europe. Ça me fait chaque année mal. Et cette année, alors là, pour le coup, puisque tu m'as demandé si je m'étais assagi, alors là, cette année, je m'étais dit, non, c'est tellement banal, c'est tellement classique, tu vas pas t'énerver, tu vas rester bien tranquille. Alors, le soir de PSG Bayern, j'ai recraqué. Alors, justement, le PSG, en ce moment, on a un problème avec... Oui, parce que le PSG, ça va au-delà, c'est pas que du terrain, c'est de la politique, c'est du management. Mais aujourd'hui, on a un problème avec le meilleur joueur français, peut-être même le meilleur joueur du monde, à savoir Mbappé. Va-t-il quitter le Paris Saint-Germain? Ça, par exemple, ça peut m'énerver un petit peu, le fait de dire que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que je sais pas ce qui vous permet d'être aussi affirmatif. J'ai dit le meilleur joueur français, je me trompe pas? Non. Et je dis peut-être le meilleur joueur du monde. L'un des meilleurs. Alors si tu as dit peut-être... Qui le meilleur joueur du monde? Mais j'aime pas ce concept en fait. J'aime pas le concept parce que justement, à force d'avoir développé cette idée-là, le PSG depuis 10 ans fait n'importe quoi en empilant les stars et en dépensant des sommes faramineuses pour s'apercevoir après 10 ans et ça. Bon, alors toi qui as dirigé un club de sport, le Mourad, du PSG, il est ailleurs. Mourad, toi qui as dirigé un club de sport, est-ce que il te semble concevable qu'un dirigeant 10 ans après une politique de star qui a fait parler la terre entière, ils en arrivent cette année, à la fin de la saison qui a été catastrophique,
Cette année, nous allons enfin miser sur le collectif et moins sur l'individualité. Non, mais sûr que non, mais parce que le PSG... Pardon c'est... On va découvrir... Ouais. Bah, le PSG, c'est du préfabriqué. C'est qu'ils venaient de comprendre que le foot, c'était une équipe de 11 mecs. Ils n'avaient pas compris que c'était pas 1+1+1+1. Ils n'avaient pas compris parce qu'ils n'avaient jamais vu les matchs de Copa. C'est 11 ou les matchs de Platini, ouais, enfin, ils n'avaient jamais vu. 11 mecs qui ont envie de se couper. Ouais, c'est 11 mecs qui ont envie de se couper ensemble, d'abord, le collectif, pour commencer. Deux, c'est des mecs qui vont pas être... qui vont respecter l'ego de l'autre et pas 11 égaux, parce qu'au PSG, ça a souvent été 11 égaux et ça, c'est très compliqué. Dans l'addition des égaux. Ça marchera jamais, exactement. Ça ne peut pas marcher. Et surtout voilà. L'addition et des pépettes, surtout, oui. Il y a aussi que... c'est plutôt ça qui aide. Un président qui est fan de ses joueurs, ce n'est pas possible. Genre, moi, j'ai lu des choses où il les invite chez lui, il fait des photos. Bon, c'est un peu vieux, il a un peu arrêté ça. Ça, c'était la première étape de sa compréhension du problème. Mais il y en a d'autres à résoudre. Attendez, parce que Mbappé, il a parlé. On va l'écouter. Le président de la République s'est impliqué un petit peu dans le dossier cette semaine en disant qu'il allait faire son possible peut-être pour faire en sorte que vous restiez au Paris Saint-Germain. Quelle influence peuvent avoir les propos d'un président de la République sur la carrière du capitaine de l'équipe de France ? Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Voilà. Mais en même temps, je trouve qu'il a tellement raison. Se mêle le président Macron. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à Mbappé, c'est de ne pas être sincère. Oui. Ce qui est assez rare dans ce milieu-là, où c'est quand même. Ce gars-là dit clairement ce qu'il pense, c'est plutôt sincère. L'année dernière, on nous a fait croire que Macron avait eu une influence dans le fait qu'il prolonge au PSG. Quand il l'a dit vers le mois de juin, je pense, 2022, Macron, qu'il avait parlé à Mbappé, qu'il l'ait fait, c'est probable. Oui. Qu'il y ait une sorte d'affinité entre eux, parce qu'à force de se croiser, Macron en plus, ça a peut-être servi un peu sa com aussi, de lui serrer la main et de lui faire deux, trois câlins. Oui. Mais en fait, pas du tout, parce que Mbappé avait déjà pris la décision de rester au PSG fin mars de l'année dernière. Donc le président n'a pas eu d'influence, ça a servi la com, ça a servi un peu le storytelling autour de Mbappé, patrimoine de quoi ? De la culture française peut-être, je ne sais plus ce qu'on disait à l'époque. Non mais c'est même un peu ridicule, le président Macron. Oui, je pense qu'il n'a pas vocation à gérer les transferts dans le mercato parisien. Non. Barbara Lefebvre. Bah, surtout, je pense qu'on avait vu le fond du ridicule quand il avait essayé de le consoler le soir de la finale. Que là-dessus, même Mbappé avait juste envie qu'on lui fiche la paix, oui. De vivre cette finale où le pauvre, il s'était cassé la paillasse à mettre les buts. À nous faire remonter au score, surtout. Et les autres qui n'ont même pas foutu, d'ailleurs, le fils d'eux qui n'avait pas été fichu de mettre le but. Là. C'était pas le fils Thuram, là ? Non, c'est celui d'avant. Non, parce que le fils Thuram, pour moi, il ne fait rien sur un terrain. Mais bon, enfin bref, peu importe. Mais je ne regarde pas souvent, mais je trouve que franchement, le fils Thuram, j'ai l'impression qu'il est un peu surévalué, mais Daniel doit mieux connaître le joueur. Non. Je pense que c'est parce que tu ne dois pas aimer le père que tu dis ça. Non, le père était un bon joueur. Non, c'était un super joueur. Ah non, mais moi, je m'en fous de ce qu'ils pensent, ces gens-là. Ils sont faits pour pousser le ballon, de jouer au ballon et de divertir les gens. Donc, alors là, ce qu'ils ont dans la tête, je m'en fiche. Ouais, mais ça peut être un atout. Hein, ça va. Mais genre, tu as le droit de s'exprimer. Mais alors, les câlins de Macron. Ah bah Chirac, qu'est-ce qu'il nous avait pas fait avec la Coupe du Monde ? Mais franchement, le câlin de Macron, l'autre, il essayait de se tirer la manche. Et là, il nous fait croire qu'il va appeler. Donc, que M. Macron s'occupe de M. Ben Salman, qui apparemment a envie de se lancer aussi dans le football. Là, ils déjeunent ensemble ce midi. L'émir de l'Arabie Saoudite. Ils vont peut-être parler football. Sûrement. Puisque, maintenant, l'Arabie Saoudite, on va jouer au football. Ce qui est nouveau, ce n'est pas la réaction de Macron, mais ce n'est pas le fait que les politiques essayent de profiter de la gloire du moment de certains sportifs. La lumière. Ce qui est nouveau, c'est la réaction de Mbappé. Oui, oui. Ça, on l'a jamais vu. Hein. Oui, c'est vrai. Il est mature, ce garçon. Qu'un sportif de très haut niveau, pour le coup, fasse, ça serait du rugby, un tel cadrage débordement au premier personnage de l'État, c'est du jamais là, vu. Là, on revient à sa place. Parce que là, moi, c'est pour ça que j'aime bien, moi, ce joueur. Parce qu'il a un placage terrible. Mbappé. Je crois qu'en termes de popularité, Mbappé est plus populaire que Macron. Donc, légèrement. Attention quand même avec cet avis, parce que son côté individualiste sport US, parce qu'il a une mentalité qui est très US, il est très influencé par les sportifs du basket américain, la NBA. Je ne suis pas sûr qu'en France, on soit prêt à accepter cette culture. On a du mal avec ça. On est encore dans une culture très européenne où on pense, peut-être à tort, peut-être qu'on s'illusionne sur ça, qu'il y a de l'affect dans le sport, qu'on aime s'attacher aux personnalités, que le gars joue dans un club parce qu'il aime un peu le club, ou qu'il porte le maillot parce qu'il a un attachement à une ville, à un club ou quelque chose. Les sportifs US n'ont pas du tout ça. Et Mbappé, comme il s'inscrit dans cette mentalité-là, même l'histoire du PSG, alors qu'il est dans son droit, parce que c'est juste une affaire contractuelle, il respecte son contrat, il le dit, il est carré.
si jamais il reste au PSG, je mets un petit billet sur le fait que septembre, on entende des sifflets au Parc des Princes. Alors qu'il sera dans son droit. Mais les gens vont dire, tu nous avais dit que peut-être tu restais, ou tu nous avais laissé peut-être un peu croire que tu nous aimais, mais finalement tu nous aimes pas autant que ça parce que tu veux partir. Même le côté brut, je suis comme ça, je respecte tel contrat. Ça, je sais pas, dans le sport en Europe, on a du mal avec ça. Ça va, ça vient ce genre de truc, parce que ensuite il va changer de club. Dans le club où il arrivera, il sera adulé comme, comme c'est jamais. C'est pas dit qu'il change de club. Oui, comme beaucoup, comme beaucoup voilà, de sportifs français quand ils vont à l'étranger. C'est pas dit qu'il change de club, c'est ses agents qui jouent bien actuellement. Il a un contrat, il arrive à terme. Qu'est-ce qu'il se dit ? Je dénonce mon contrat comme c'est sûrement prévu. Il se termine au juin 2024. Au juin 2024, il y a deux solutions. Soit il re-signe au PSG avant et il négocie quelque part un joli chèque à signature pour re-signer. En sachant que le PSG est emmerdé parce qu'en juin 2024, ils ne pourront pas le revendre juillet. Donc, il joue, c'est une partie de poker qui joue très bien avec le PSG aujourd'hui. Enfin, je ne pense pas que ce soit lui. Mais même pas, parce qu'au poker, on ne voit pas les cartes de l'autre. Là, les cartes, elles sont visibles. Il y a un contrat, il ne veut pas lever l'option qu'on lui a offerte. Sinon, au 1er juillet, il prendra un chèque directement du Real Madrid ou de notre club ou de Manchester City. Et puis voilà. Mbappé, il a peut-être aussi des ambitions de carrière. Il en a peut-être marre d'être dans un club qui ne gagne rien. Il a peut-être envie d'être dans un club qui gagne quelque chose. Oui, parce que le temps avance vite pour un joueur professionnel. Il a quand même déjà gagné la Coupe du Monde. Parce que des millions, ça fait bien. Mais peut-être que Mbappé, il a vraiment l'amour de son sport. J'espère pour lui, il n'a pas seulement l'amour des pépettes, il a aussi l'amour de son sport. Il a envie de réussir. Et donc, il a peut-être envie de gagner le je ne sais plus quoi, la Coupe des Champions ou la Ligue des Champions. Et donc, le seul club où il peut le faire, c'est le Real Madrid, apparemment. Manchester City. Bon, Daniel, ça y est, tu t'es un peu échauffé. C'est que le début, parce que tu sais que le GG, c'était match. Et on va pas parler foot, on va revenir sur l'étonnante campagne de publicité du musée d'histoire de l'immigration. C'est foot ou ces étrangers qui ont fait l'histoire de France? Et on voit le portrait de Louis XIV et on dit, bah voilà, Louis XIV, sa mère était espagnole, sa grand-mère autrichienne. C'est une expo qui s'intitule Ces étrangers qui ont fait la France. Donc l'idée, c'est de faire savoir que finalement, la France a toujours été un pays d'immigration. Est-ce que cette affiche est choquante ou en tout cas, est-ce que c'est vrai tout d'abord? Est-ce qu'on peut récupérer Louis XIV? Est-ce que ça a un sens? Il y a deux équipes. Il y a ceux qui disent que c'est choquant, Barbara et Daniel Riolo, opposés dans un instant à Jérôme Marty et Mourad Boudjelal. Mais attention, les 50 000 euros, c'est maintenant. Le coffre va peut-être être ouvert par Ali qui est avec nous. Bonjour Ali. Bonjour Olivier. Alors tout d'abord, félicitations parce que vous avez gagné 2500 euros. Ok, super, merci. Voilà, mais... Cherchez votre joie. Enthousiaste, Ali. Mais, alors vous savez, l'heure est grave parce que le directeur d'antenne vient de nous rejoindre et quand Grégory Caranoni, le directeur d'antenne RMC, est là, 150 000. Que l'heure est grave parce qu'on n'a jamais fait gagner autant d'argent sur RMC. Autant dire que l'enjeu est énorme. Il y a 50 000 euros dans ce coffre. Ali, peut-être. Ali, c'est à vous de jouer, en fait. Soit... vous gardez les 2500 euros, soit vous tentez le coffre. Et dans ce cas-là, vous avez le choix. Soit vous gagnerez un séjour pour deux personnes dans l'un des 160 hôtels Cozy Places, soit les fameux 50 000 euros. Mais si vous jouez le coffre, vous perdez les 2500. Hein. Oui. Sachant qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Olivier. Est-ce que ça a un rapport, ça? Je pense que ça peut. Oui, je pense. Et on est vendredi. Vendredi. C'est pas moi qui les donne. Hein. Vendredi, anniversaire d'Olivier. Daniel Riolo sur le plateau, c'est pris de football et tout. On va laisser Ali réfléchir. Ali, dites-moi. C'est une bonne journée, il fait beau, on est vendredi. Ouais. Je fais confiance, on ouvre le coffre. Bien joué. Et les joueurs. Allez, on croise les doigts. Il a raison. Ouais, moi, je le sens. Ah bah, il y a quand même 2500 euros. Je le sens bien. C'est un pour 20 quand même. De toute façon, ce matin, quand il s'est levé, Ali, il ne savait pas qu'il allait avoir 2500 euros. Donc alors là, il peut avoir 50 000. Ou alors une semaine de vacances. Voilà. Mais moi, je rejoins Olivier, c'est vrai qu'il y a 2500 euros garantis. Mais après, vous faites ce que vous voulez, Ali. Après, il peut gagner le séjour pour deux personnes aussi, c'est sympa. Et c'est pas mal. Je crois en plus, je viens de me marier, donc... allez-y, sortez le coffre, sortez le coffre. Ça, vous partirez en vacances. Ali, c'est votre dernier mot, 50 000 euros, on y va. Oui, on y va, let's go. Vous notez que Daniel n'a pas dit un mot. Non. Pourtant, Daniel, je l'aime beaucoup, Daniel. Je ne savais pas qu'on avait le droit de conseiller. Tu conseillerais quoi? Parce que nous, on n'a pas ce jeu dans l'after. Ah, non, c'est le moment des revendications, là? Non. C'est surtout, vous n'avez pas les 50 000 euros, surtout. Voilà, en plus, c'est pas comme ça qu'il fallait le prendre, c'est juste que je découvre, c'est tout. Bon, je ne demandais pas à ce qu'on ait un coffre, nous aussi. Alors, Ali, on y va, on ouvre le coffre. Il y a suffisamment d'argent dans le foot. Alors, Grégory, attention. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Il y a un passeport week-end. Et il y a deux nuits pour deux personnes avec petit déjeuner dans l'un des 160 hôtels Cozy Places. Malheureusement, il n'y a pas les 50 000 euros. On voulait les 50 000. Bah. Mais c'est quand même bien. Oui, c'est bien. Cozy Places. En plus, vous êtes vous mariés. Oui, c'est ça. Bah voilà, vous l'emmenez. C'est quasiment le voyage de noces, là.
Deux jours. Bon, vous êtes un peu déçu, on comprend. On l'est pour vous. On aurait aimé vous gagner les 50 000 euros. Il a perdu, alors, du coup. Ben oui, absolument. Mais il a gagné le voyage. Exactement. D'accord. Ah, il y a un autre bibi. Une alerte. Ah bah attendez, alors il faut jouer tout de suite, vous avez 5 minutes pour envoyer le mot coffre au 732-16, coffre au 732-16, et on jouera donc chez Estelle. Absolument, avec Rémi Barret tout à l'heure, bravo Ali. Hein. Voilà. Okay, merci. Bravo Ali, et donc vous jouez avec maintenant Estelle Midi, et c'est maintenant qu'il faut envoyer le mot coffre au 732-16. Ça m'énerve que les 50 000 euros soient pas tombés chez nous. Ça viendra. Je vois qu'il y a quand même pas, y a des gens qui sont préférés attends, à d'autres. Et combien de fois dans la journée ça va y avoir le coffre? Ah, le coffre, c'est toute chaque émission jusqu'à Rotten sans flamme. D'accord, donc il y a encore 4 possibilités. Trois possibilités. Bon. Ouais. Et pas sur dans l'after. On sait moi, pas je dis, attention, pas deux fois. Vous voulez une confidence hein? Moi, je dirais plutôt à la troisième émission. Aujourd'hui. C'est ça quoi va la troisième aujourd'hui. Émission ouais. C'est aujourd'hui, forcément. Estelle Midi, Super Moscato Show, Rotten sans flamme. Alors moi, je dis que les 50 000, ils sont au Super Moscato. C'est pas tombé chez Apolline. C'est pas tombé chez Charles. Alors, chez Charles, le coffre n'a pas été ouvert. D'accord. Ah, il y était. Peut-être qu'ils étaient à l'intérieur. Sachant que sur la session précédente du coffre, il y a 2 mois maintenant, les 30 000 euros étaient dans le matin. Ouais. Donc ça peut tomber chez Estelle, chez Jérôme ou chez Vincent. Moscato qui moi je sens plutôt Moscato. Moscato. Ouais. Le problème c'est que Vincent il peut partir avec le coffre. Mais voilà, c'est ça le problème. C'est un peu le souci. La petite confidence, si vous voulez, c'est que ça tombera peut-être aujourd'hui, mais ça tombera peut-être aussi la semaine prochaine parce qu'on va faire une semaine supplémentaire. Ah bon ? Absolument. Ah. Oh là là. Mais donc ça tombera la folie RMC, c'est dingue cette fin d'année. Mine de rien, je me rends compte qu'effectivement on est la seule émission là-bas le coffre. Oui. C'est... Au début j'ai rien dit, mais quand il a commencé à énumérer toutes les émissions, toute la grille. C'est vrai ça. On va en reparler hors antenne, Daniel. Oui, Greg. C'est vrai qu'il y a un problème là. Non, c'est vrai là. Il n'y a pas de raison de priver l'after de ce jeu. Bon, et dans un instant, le GG 7 match avec Daniel, qui sera dans la même équipe que Barbara. À tout de suite. RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules. 24 000 euros, ils sont peut-être bientôt pour vous. 24 000 euros, c'est l'équivalent de 2 000 euros par mois pendant un an qui tombe sur votre compte en banque. Alors pour jouer, c'est très simple, vous répondez simplement à cette question. Quel événement sportif aura lieu en France en 2024? Réponse 1, les Jeux Olympiques. Réponse 2, la Coupe du Monde de foot. Envoyez dès maintenant un ou deux par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour jouer, bonne chance. Et hop, France Pare-Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Pare-Brise et son prêt de véhicule. On change tout du sol au plafond avec les pros de la réno. Un événement RMC pour vous informer et vous guider dans vos rénovations. Économiser et mieux être isolé grâce à nos experts et nos partenaires. Elio, partenaire des pros de la réno sur RMC. Il existe un monde de liberté et d'aventure, mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Nouvelle Jeep Avenger 100% électrique, conçue pour le monde réel. Nouvelle Jeep Avenger, à partir de 229 euros par mois. Votre chat fait partie de la famille. Assurez-le. Santévet, l'assurance qui rembourse les frais vétérinaires. Faites un devis gratuit sur santévet.com. Bienvenue à tous ceux qui débutent avec l'électrique. Et en ce moment, dans le réseau Renew, profitez de 1000 euros de bonus écologiques sur Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion. Renoncez peut-être à l'arbre à chat? Misez plutôt sur les commerces à proximité pour louer votre bien 30,7% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation locative sur meilleursagents.com. Comment range-t-on à la vaisselle? Ah, le perfectionniste. L'indifférent. Le distrait. Peu importe comment vous le rangez, grâce aux nouvelles capsules Sun et leur efficacité imbattable, votre vaisselle est 4 fois plus brillante. Sun, à l'épreuve de la vraie vie. Tu sais ce que c'est mon sujet? Avec Red. Napoléon III. C'est facile de profiter. Je vais leur dire quoi? J'ai pas vu le 1 et le 2. Votre téléphone, s'il vous plaît. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Je crois qu'il y a le prof qui me demande mon 06.
Les forfaits Red, c'est un max de gigas au meilleur prix, sans engagement. Red by SFR. Quand on dit au revoir à ses jouets, à ça, ça et ça. Oh, bah non, pas ça quand même. Ah bah si, ça aussi. Enfin, pour vos trésors d'enfance ou vos trésors tout court, Le Bon Coin, le bon pour tous. Vendez maintenant. I know what I know, I'm falling on that tune. Pumping the beat through. Laissez chaque détail vous inspirer. Kia Sportage, un modèle d'inspiration. Kia, movement that inspires. Kia Sportage hybride rechargeable. Jusqu'à 78 km d'autonomie électrique pour vos trajets quotidiens. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Non, je regarde. Viens ton cadeau. Ah, mes cadeaux. Bonne journée. Oh, une pompe à chaleur. C'est une terre morte. Faites des économies d'énergie avec les pompes à chaleur Thermor. Thermor, depuis longtemps et pour longtemps. La semaine prochaine sur RMC Story. Nous nous rendons en territoire inconnu. Qui sait ce que nous allons découvrir ? Pour une cartographe, localiser l'Atlantide serait la plus grande satisfaction. Cette île va exploser puisque c'est une île volcanique. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et enfin, où allons-nous ? Le champ de Higgs permet de frôler la vitesse de la lumière. L'intérêt, c'est de ne pas laisser les lieux comme une zone de non-droit. On a des boîtes comme celle-ci avec de la résine de cannabis. On a un délai de 30 minutes pour intervenir sur l'autoroute. On a toutes les conditions qui s'y prêtent pour que ça se passe pas très bien. Les séismes peuvent arriver. La question n'est pas est-ce qu'ils vont arriver, mais quand. Je me suis retrouvé au milieu d'une scène de guerre. RMC Story, la chaîne des histoires vraies. RMC, 9h midi, les grandes gueules, Alain Marchal, Olivier Truchot. La suite des grandes gueules avec Jérôme Marty, Mourad Boudjelal, Barbara Lefebvre et Daniel Riolo qui termine la semaine, une semaine exceptionnelle. Nous avons accueilli pendant toute la semaine les stars d'RMC qui ont joué le jeu, notamment du GG 7 et match, car c'est parti pour ce match qui va opposer deux équipes. Daniel sera avec Barbara, Jérôme avec Mourad. RMC GG 7 et match. Le GG 7 et match à propos de l'étonnante campagne de publicité du musée de l'histoire de l'immigration. C'est fou tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Peut-on lire sur cette affiche avec le portrait de Louis XIV qui, rappelons-le, avait une mère espagnole et une grand-mère autrichienne. L'idée est de faire savoir que la France a toujours été un pays d'immigration. D'ailleurs, l'exposition du musée s'intitule « Ces étrangers qui ont fait la France ». Donc en fait, Louis XIV devient un étranger pour le musée d'immigration. C'est assez surprenant, voire choquant. Alors justement, est-ce choquant ou pas ? Deux équipes, oui, plutôt choquant, disent Barbara et Daniel Riolo. Non, pour Mourad et Jérôme Marty. Et c'est à Daniel de commencer 60 secondes pour démarrer le match. Oh, il y a un chrono ? Oui. Alors, plus que choquant, en fait, je trouve que c'est complètement inutile et j'ai cherché à comprendre le but de la manœuvre. Alors, c'est quoi ? C'est faire la promotion de l'immigration, donc on doit revendiquer d'être un immigré. Donc moi, enfant d'immigré de première génération, je dois me balader avec ma pancarte. Je suis un enfant d'immigré et c'est formidable. Bon, ok, très bien. Prochaine étape, c'est quoi ? T'es français de plus de trois générations, t'es un citoyen de deuxième catégorie. Finalement, les Français de plus de trois générations, bientôt, quand on continuera cette promotion sans cesse de l'immigration, finalement, il sera coupable de quelque chose. Je continue de chercher un petit peu le but de cette opération. Et je me dis que dans le contexte actuel, parce que finalement on tourne toujours autour de ça, ça doit être de combattre les idées du Rassemblement National. Je pense que c'est ça finalement qu'il faut chercher derrière tout ça. Ça fait des années que c'est comme ça et on continue, visiblement en France, de croire que c'est comme ça qu'on va lutter contre le Rassemblement National. Moi, je crois qu'en fait, cette campagne-là, elle va faire la promotion des idées du Rassemblement National.
national, parce que c'est toujours comme ça. Cette déconnexion élite-population, elle est flagrante chaque jour dans toutes les émissions, dans toutes les prises de position publiques. La population dans son ensemble, moi je pense qu'elle pense qu'il faut contrôler l'immigration et qu'il faut peut-être même la stopper. Alors la réalité historique, savoir d'où vient Louis XIV, je ne suis pas sûr que ce soit dans la préoccupation des Français du moment. Rouge. Je suis Rital et je le reste, c'est dans le verbe et dans le geste. Pour toi Daniel, c'est... Moi par exemple cette chanson elle m'énervait quand j'étais gamin. Pourquoi? Parce que je voyais pas en quoi il fallait mettre en avant ses caractéristiques. Je suis enfant de Rital. D'abord l'expression est... Enfin, j'ai jamais aimé cette expression parce qu'elle se réfère à des années noires pour l'immigration italienne à la fin du 19e siècle ou au début du 20e. Parce que certainement les gens ont beaucoup oublié. Alors, mais pour les Italiens immigrés de cette génération-là, il y a eu beaucoup de difficultés, même des massacres comme à Aigues-Mortes. Ça a été difficile et moi je voyais pas pourquoi lui de l'autre il arrivait avec cette chanson, avec son panneau je suis immigré italien et c'est formidable. Oui, mais moi je suis évidemment fier de mes racines, mais je suis également fier d'être français et j'ai pas envie de faire la promotion sans arrêt de ce que je suis, de ce que sont Alors, mes parents et tout ça. Bon, on a dépassé les 60 secondes mais c'est un peu de notre faute, on a mis un peu de chansons. Jérôme Marty, Mourad Boudjelal, qui répond à Daniel avant d'écouter Barbara aussi? Je vais y aller. Non, vous n'avez pas l'air motivé, c'est mal barré. Je sens mal votre histoire. Mais parce que j'en sens que Mourad, au fond, qui est également lui un enfant d'immigré, il pense à la même chose que moi. Non. D'abord, tu as un petit peu dévié le débat, Daniel. C'est pas un appel à légitimer l'immigration. C'est un appel par les temps qui courent. Et c'est important, je crois. C'est important d'avoir une autre image de l'immigration. Et rappeler que l'immigration, c'est pas comme le disent certains, à s'en gargariser souvent en disant « Ah ben, il y a un délinquant tunisien », comme si le fait qu'il soit tunisien avait un lien avec le fait qu'il soit délinquant. Mais il dira « Non, c'est pas raciste, moi j'ai juste dit qu'il était tunisien », alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. C'est juste rappeler, donner une autre image de l'immigration. Et c'est important d'abord pour les enfants d'immigrés qui puissent aussi s'identifier à cette fierté et avoir envie, eux aussi, de se dire « Ben, je dois aussi participer à la nation, parce que d'autres... » Alors faisons la promotion des valeurs républicaines et des valeurs françaises, alors. Non, mais c'est qu'on au lieu d'aller chaque jour vers le communautarisme, dans ce cas. En tant qu'enfant d'immigrés, je me suis senti investi d'une mission parce que j'ai été élevé avec des exemples d'immigrés qui avaient beaucoup apporté au pays. Je me suis dit « Donc, je dois apporter au pays. Je dois être un exemple, moi aussi, c'est important. J'ai ma quote part. » Mais aujourd'hui, pour un enfant d'immigré, avec tout ce qui se dit actuellement, on se dit qu'on n'a aucune responsabilité, puisque de toute façon, immigrer, c'est un échec, c'est être en situation d'échec dans ce pays. Non. Être un enfant d'immigré, c'est avoir une responsabilité par rapport à ceux qui ont été enfants d'immigrés avant nous et par rapport à ce qu'ils ont apporté au pays. Oui, mais cette mentalité, Mourad, elle a disparu. C'est être à la hauteur de ça. Ta mentalité, c'était la mienne, ça a disparu. C'est important, par les temps qui courent, de redonner de la fierté le fait d'être enfant d'immigré et dire qu'être enfant d'immigré, ça ne veut pas dire terminer dealer ou terminer délinquant. C'est autre chose. Alors, mais ce que tu dis n'existe plus, malheureusement. Barbara, on a envie que ça existe. Parce qu'on a une prof d'histoire. Moi, j'ai fait un peu d'histoire, pas autant que toi, Barbara, mais c'est quand même la première fois que j'entends que Louis XIV est étranger. Ça, c'est quand même... Donc, je dois savoir, est-ce que c'est vrai? Parce que on nous vend le truc comme ça. Hein. Ça, c'est Barbara qui... C'est fou, tous ces étrangers qui ont fait l'histoire de France. Je pense qu'ils se sont renseignés. Louis XIV, il est né en France. Il n'est pas étranger, Louis XIV. Non, mais... Je suis d'accord avec Daniel là-dessus. La question n'est pas choquant, pas choquant. Ça choque peut-être la Zemmourie, cette affiche. Moi, ce n'est pas la question qu'elle me choque, c'est qu'elle est juste... stupide. Ben oui. Historiquement, elle est stupide. Reconnaître la diversité des origines des personnages qui ont fait l'histoire de France, ça me paraît tellement tomber sous le sens. Ben oui. C'est le travail du musée d'immigration. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je crois qu'autour de cette table, même si je ne connais pas la vie de tout le monde, en tout cas, je sais qu'apparemment, on est déjà trois à avoir des origines étrangères. Mourad, Jérôme Marty, il est né du Maghreb, Jérôme Marty. Ah, d'accord. En tout cas, que ce soit Daniel, moi ou Mourad, on a aussi des origines du Sud aussi, voire de l'autre côté de la Méditerranée pour Mourad et moi, voire même d'encore plus loin. Je suis qu'avec des étrangers, moi. La question de savoir s'il n'y a pas un Français sur quatre, bien sûr qu'il y a un Français sur quatre qui a des origines étrangères, qui a des origines immigrées, mais on n'est pas là-dessus. Non, on n'est même pas sur ça. Oui, mais Louis XIV. Sa mère s'appelait Anne d'Autriche.
On pourrait se dire Anne d'Autriche, une autrichienne. Ah ben non, Anne d'Autriche, elle était infante d'Espagne et du Portugal parce qu'elle était de la dynastie des Habsbourg. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont assez ignorants de ce qu'étaient les mariages dans les cours d'Europe, notamment Mazarin, qui était un Italien, qui était le grand marieur de l'Europe, puisque c'était des stratégies familiales, comme dans tout clan, c'était dans toute tribu. Des stratégies d'alliance, comme au sein de l'Europe. Clans, que ce soit le clan des Bédouins. Tiens, il y a M. Ben Salman qui vient là aujourd'hui, je répète avec lui, c'est un Bédouin, hein, M. Ben Salman. Dans les tribus bédouines, on se marie avec les tribus bédouines d'à côté, etc., etc. Donc ça, c'est la base. Tu veux étendre ton pouvoir, tu fais des mariages. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'en Angleterre, il y ait une grande campagne aussi pour nous expliquer qu'en fait, la monarchie britannique, une grande partie de la monarchie britannique, vient de la France. C'est des Français. Oui, les Plantagenets. Je rappelle que jusqu'au XVe siècle, le français, c'est la langue administrative. Jusqu'au XVIIe siècle, la langue juridique en Grande-Bretagne, c'est le français. Donc moi, je dis, en fait, le Royaume-Uni, c'est nous. Le Royaume-Uni, c'est nous, c'est la France. Ben oui. Alors maintenant, c'est pas nous parce qu'apparemment, Louis XIV n'est pas français. Non. Donc excusez-moi, si on commence donc à aller du, chercher... C'est une grande n'importe quoi. Vous savez ce que je vais vous dire? Ce truc-là, il y a même une petite pointe d'un espèce de truc bizarre. On va aller regarder la génétique des gens pour savoir s'ils sont français ou pas. Oui, la si. France, non, justement... Non, c'est pas ça le but. Vous pouvez pas faire... Je réponds, Jérôme, du Maghreb. Ce qui précise et ce qui fait la beauté de la France, c'est que c'est pas une nation ethnique, justement. C'est pas une nation ethnique. C'est surtout pas une nation inclusive, malheureusement. C'est une nation politique. Et qu'on ait aujourd'hui un parti comme le parti de M. Zemmour qui nous explique que pour être un vrai Français, faut, même quand tu es juif ou musulman, mettre un genou à terre devant la crèche du petit Jésus à Noël, comme ce qu'il a fait lui-même. C'est ça le pathétique aujourd'hui. Et pour répondre à ça, qu'est-ce qu'on fait? On met Louis XIV en nous disant « Louis XIV, il est étranger, regardez. » On répond pas à ça, Barbara. Eh bien si, on est sur les deux extrêmes. On est sur deux discours extrêmes. Et ces deux discours extrêmes, ils ne feront pas avancer. L'erreur, elle est de dire Louis XIV étranger, on aurait dû dire issu de l'immigration. Déjà, ça c'est la première chose. Mais non, il n'y a pas d'immigration. C'est pas d'immigration. Mais il est pas issu de l'immigration. Mais non, il n'est pas immigré. Issu de l'immigration, c'est les mariages royaux dans les dynasties Habsbourg et Bourbon. Dans l'instant où dans tes ascendants, tu as des gens qui ne sont pas nés en France. Oui, mais c'est pas de l'immigration. Non, mais alors je me suis mal exprimé. Ils ne sont pas nés en France. Bon, mais on ne peut pas faire fi de ce qui se passe actuellement, si tu veux. Il y a une montée du racisme qui est extrêmement importante. Oui, mais justement, comment y répondre? Ça va aider, ça, Louis XIV. Mais ça va bien exciter les émois, rien de ton histoire. Le problème, c'est d'être en capacité de montrer, de rappeler ce qui ont fait la France. Alors là, l'exemple est mauvais parce qu'on prend le très haut du panier en quelque sorte, on prend un roi, etc. Mais on devrait être en capacité de rappeler combien de Maghrébins ont construit la France, combien d'enfants d'Italiens ont construit la France, combien d'enfants d'Espagnols ont construit la France, etc., etc. Ce qu'on oublie tout le temps. Mais ça fait 40 ans qu'on fait ça, Jérôme, ça suffit avec ça. Mais Daniel, on l'a fait à une époque, on le fait plus. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir dans quelle valeur on se retrouve. Savoir que mon père, il est venu ici, il a construit des maisons et tout. On s'en fout dorénavant de ça. C'est pas la même problématique. Le problème de la France aujourd'hui, c'est le repli sur soi. C'est le communautarisme, le problème de la France aujourd'hui. Le problème, c'est de savoir que le racisme, il est partout. Il est entre les Rebeux et les Renois, entre les Français et les autres. C'est ça, c'est le repli sur soi. Le racisme, il est partout. Et c'est même pas du racisme, c'est du repli sur soi social. Mais pourquoi? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce qu'on a parqué des gens dans des cités et qu'on a laissé des chats leur temps. Attends, laisse-moi. Il y a 60 ans. J'arrête pas. On a parqué des gens. J'ai 1000 amis qui s'en sont sortis. Stop avec ça. Je vais terminer mon raisonnement. On a parqué des gens. On leur a fait croire que la République ne leur appartenait pas. On leur a vendu un autre idéal à travers des religieux. Ça a été le cas. Mais ça a été le cas d'abord d'une gauche bien pensante. Ça a été le cas. Merci déjà de dire ça. Ça a été le cas des extrêmes. Parce que je suis désolé. Moi, quand j'étais gamin, quand j'entendais parler certaines personnes, je me sentais pas français, et qu'on leur a laissé avoir un autre idéal qu'un idéal religieux au lieu d'avoir un idéal républicain. Merci. Cette génération, elle est en partie perdue. Toi, tu appelles ça le communautarisme, et on a tous une part de responsabilité là-dessus. Écoutez la cloche. Voilà, je suis d'accord là-dessus. Vous allez continuer à discuter. On va faire un point sur la consultation. Tout d'abord, un premier point. On a perdu. Est-ce que cette campagne est choquante ou pas? La première impression de ceux Macron qui vous écoutent. La pas choquante, ah oui, c'est quand même oui à 79% contre 21% non. On continue le match dans un instant sur RMC, RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
24 000 euros. Ils sont peut-être bientôt pour vous. 24 000 euros, c'est l'équivalent de 2 000 euros par mois pendant un an qui tombe sur votre compte en banque. Alors pour jouer, c'est très simple. Vous répondez simplement à cette question. Quel événement sportif aura lieu en France en 2024? Réponse 1, les Jeux Olympiques. Réponse 2, la Coupe du Monde de foot. Envoyez dès maintenant un ou deux par SMS au 7 32 16. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Et hop, France Pare-Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Pare-Brise et son prêt de véhicule. Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre. Seulement quelques secondes suffiront. Succombez à Cupra Formentor e-hybride rechargeable à partir de 499 euros par mois. Vous avez adoré les glaces chez votre amie Chloé? Vous aimez déjà Lidl? Retrouvez les 12 bâtonnets Minimix classiques Bon Gelati à 3,49 euros le paquet. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. You. Chaque premier pas compte. Passez à l'hybride Toyota. On s'était dit rendez-vous au premier virage. C'était il y a 10 ans déjà. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Il va être historique, ce pilote. Il est champion du monde de Formule 1. Un championnat du monde qui va se jouer sur un tour. Le dernier virage! Incroyable! Jamais 10 ans n'était passé aussi vite. Il n'y a que la Formule 1 pour écrire des scénarios pareils! Montez le volume et rendez-vous au prochain virage. Deliveroo présente. À chacun son rituel. Vous avez commandé Deliveroo. Il n'y a plus qu'à ajouter votre touche finale. Parfait. On se fait un Deliveroo? Tu sais ce que c'est mon sujet? Avec Red. Napoléon III. C'est facile de profiter. Je vais leur dire quoi? J'ai pas vu le 1 et le 2. Votre téléphone, s'il vous plaît. Le plus dur, c'est de s'arrêter. Je crois qu'il y a le prof qui me demande mon 06. Forfait mobile 100 gigas, 13,99€ par mois, sans engagement. Red by SFR. Comment range-t-on à la vaisselle? Ah, le perfectionniste. L'indifférent. Le distrait. Peu importe comment vous le rangez, grâce aux nouvelles capsules Sun et leur efficacité imbattable, votre vaisselle est 4 fois plus brillante. Sun, à l'épreuve de la vraie vie. Quand on dit au revoir à ses jouets, à ça, ça et ça. Oh, bah non, pas ça quand même. Ah bah si, ça aussi. Enfin, pour vos trésors d'enfance ou vos trésors tout court, le bon coin, le bon pour tous. Vendez maintenant. Renoncez peut-être à la salle de pétanque et misez plutôt sur ce parc pour vendre votre bien 12% plus cher. Découvrez notre outil d'estimation sur meilleursagents.com. Merci, c'est vraiment gentil. Et voilà. Au revoir. Quoi ? Whenever you need a friend, a lover or a helping. Un service qui ne rend pas service n'est pas un service. C'est pourquoi le service client d'Engie vous permet de souscrire un contrat d'énergie en toute simplicité lorsque vous déménagez. J'agis avec Engie. Nouveau déodorant Axe Epic Fresh. Tout devient possible avec notre parfum le plus frais. Sois irrésistible. The Axe Effect. Charles Matin, du lundi au vendredi de 6h à 6h30 sur RMC Story et RMC BFM Play. RMC, 9h midi, les grandes gueules, Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite du GG7 et match avec Daniel Riolo. Qui est dans la même équipe que Barbara Lefebvre, opposée à Jérôme Marty, Mourad Boudjelal. La question est la suivante. La campagne du musée d'immigration, dans laquelle on décrit un Louis XIV étranger pour vanter les mérites de l'immigration, cette campagne est-elle choquante ou non? Pour l'instant, vous êtes plutôt du côté de ceux qui disent choquant, hein, à plus de 70%. Ça peut bouger d'ici la fin. Bon, je voulais dire que Emmanuel du match. Macron pense que c'est choquant. Comme ça, on va reprendre un peu de voix. Voilà. Amadou est avec nous. Amadou est avec nous, 32-16. Bonjour Amadou, bienvenue dans les grandes gueules. Oui, salut l'équipe, ça va? Pour vous, ce n'est pas choquant. Pourquoi? Ouais, moi c'est pas choquant, je suis plutôt Team Mourad et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. De goût, hein. Et avec justement comment ça s'appelle, Jérôme Marty. Et moi je trouve ça pas choquant parce que moi je trouve que c'est vrai que comme il a dit, c'est-à-dire que il faut apporter quand même un récit qui est un peu différent par rapport à ce qu'on entend de l'extrême droite et de la droite aujourd'hui qui s'est totalement radicalisée et qui nous explique que l'immigration c'est l'horreur. Aujourd'hui, depuis des siècles, en tout cas plusieurs années, plus de 150 ans, on a des immigrés italiens, polonais qui sont arrivés en France, qui ont fait justement l'histoire de France. Maintenant, aujourd'hui, après... Mais c'est pas le cas de Louis XIV. C'est pas le cas de Louis XIV. Moi, je ne savais pas, mais au moins, ça m'a apporté... Oui. Maintenant, ça me fait quand même une connaissance en plus. Je ne savais pas... Après, c'est vrai, il a une gueule d'étranger. Hein. Vous vous sentez proche, voilà, de Louis XIV, maintenant. Mais non, je n'ai pas dit que je me sens proche de Louis XIV, mais voilà, je ne suis pas... Non, mais ce n'était pas un immigré, voilà. C'est peut-être pour ça que l'exemple est mal choisi. Louis XIV n'était pas un immigré. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ce n'est même pas question que de Louis XIV. C'est qu'aujourd'hui, on entend à chaque fois qu'on entend parler d'immigration, on a l'impression que c'est le diable. L'immigration, c'est le diable. Il faut savoir que l'immigration, depuis des années, depuis plusieurs siècles, ça a fait la France. Il y a beaucoup d'immigrés qui ont reconstruit la France. Aujourd'hui, on voit dans plusieurs métiers, soit dans la culture, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport, etc. La culture urbaine, c'est issu de l'immigration et ça a beaucoup apporté au pays. Je ne veux pas faire une Carole Delga, mais Carole Delga, j'ai compris ce qu'elle a voulu dire quand elle a parlé d'Mbappé, etc., etc. On voit que dans l'équipe de France, il y a beaucoup de personnes qui ont des parents qui ont des origines étrangères. Ces personnes-là, elles viennent défendre le maillot bleu de l'équipe de France. Elles viennent justement se faire en sorte que notre sport, il rayonne à travers le monde. Et c'est pareil avec la culture, la musique, etc., etc. Il y a pas pareil, de... Mbappé, il est né en France, il est français, donc... Oui, c'est ce que j'ai pas dit. Amadou, vous savez... Amadou, c'est pas une Carole Delga. Amadou, on n'a pas dit que. Enfin, je pense qu'il y a un malentendu. On n'a jamais dit que la France n'avait pas été forgée par des immigrés, par des étrangers. Ça, c'est factuel. Depuis bien plus que les 50 dernières années ou les 100 dernières années, parce que on est toujours là avec l'immigration polonaise, italienne, enfin l'immigration en France. Celle-là, elle est assimilée, maintenant, elle a réussi. On en parle plus. En 2021, et ça a été commandé notamment par le président Macron, mais il y a une commission d'historiens, notamment dirigée par Pascal Blanchard, qui a proposé ce qu'ils ont appelé les portraits de France, plus de 318 personnalités originaires du monde entier qui ont enrichi la culture française, l'histoire de France. Et je pense que rien que dans ces 318 portraits-là, vous aviez des figures africaines, asiatiques, européennes, des musulmans, des juifs, des ce que vous voulez, qui auraient pu servir, juste je termine, qui auraient pu servir au musée de l'immigration pour les mettre sur l'affiche. En revanche, excusez-moi Amadou de considérer que Louis XIV n'est en rien le représentant du français issu de l'immigration. Barbara, ce qui me fait marrer, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a touché à Louis XIV, c'est un symbole français, et c'est ça. Non, je vais vous dire, Amadou. Les conservateurs qui c'est un peu ça, oui. Je vais vous dire, Amadou. Qu'on leur a piqué un truc, c'est pour ça. Eh bien, moi, je vais vous dire un truc, Amadou. À s'agiter, etc. Mais vous avez raison sur ce que vous avez dit, sur les exemples que vous avez donnés. Vous avez totalement raison. Il y a plein d'exemples qui auraient pu être représentés. Mais par contre, si Louis XIV a des origines étrangères, il ne faut pas non plus... Quand j'entends Amadou, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. En fait, la prochaine étape, dans quelques années, sera de dire le gars qui est français depuis trois générations, il est inférieur aux autres. Ce sera la prochaine étape. À force de faire la promotion, à force de mettre en avant, on va mettre mal à l'aise celui qui est français depuis trois générations. Si. Mais d'ailleurs, dans certains
certains endroits. On réagit par rapport à l'urgence. D'ailleurs, de la situation. Dans certains endroits en France, effectivement, traiter de sale français, dire t'es un Gaulois, machin, c'est devenu une insulte. Oui, mais Daniel, parce qu'on descend, parce qu'on est français depuis 30 générations. C'est ça le problème. Je pense qu'on va plus souvent traiter moi de sale arabe que toi de sale français. Attends, Daniel, surtout. Il faut savoir, puisque moi je suis pas sale français, du coup, puisque je suis immigré. Alors, il faut savoir. Il faut savoir, Mourad. Alors, je suis quoi, moi, alors, dans ce cas? Ou de sale blanc. Ah, d'accord, ok, Daniel, très bien. Je pense que j'étais plus souvent traité comme surtout ça. Surtout, les endroits dont tu parles et qui existent. Et qui existent, on ne dit pas le contraire. Ils sont minoritaires. Oui, et le problème, c'est qu'on a un parti, là, qui est monté depuis des années. Continuez à en faire la promotion. Attends, continue d'en faire mais la promotion. Je sais pas ce que je veux dire, attends. Mais tu vas en faire la promotion. Non. On a un parti qui est devenu aujourd'hui en passe de prendre le pouvoir. Qui tout le temps à cause des gens qui pensent comme vous qui tout le temps joue du danger de ces endroits minoritaires et qui tente à faire croire qu'ils sont majoritaires mais là c'est un peu naïf naïf et c'est fait, tellement naïf fait, mais tellement non, naïf mais je, pas te que ces, je te rappelle que ça fait 40 ans que j'entends ça le vote RN il ne vient le vote contre le RN ne vient pas de là. Les gens qui ont peur les gens qui ont peur des émigrés souvent ne sont pas entourés d'émigrés. Et si on n'arrive pas à montrer que la France a toujours été à la croisée des histoires, que la France est un pays qui a été traversé justement par l'immigration en permanence. Oui, mais je pense qu'il y a l'histoire, ce que disait Barbara. C'est dire dans une discussion d'histoire ce que l'immigration a pu apporter à la France. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais aujourd'hui, dans le contexte du moment, faire la promotion de l'immigration, alors que la question qu'il faut se poser, c'est... je peux finir une phrase ? La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut continuer à accueillir des immigrés. Mais ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. La seule chose qui intéresse aujourd'hui les Français, c'est le contexte du moment. Arrêtez de vendre le passé et l'histoire. Est-ce que tous les immigrés qui sont aujourd'hui en France, est-ce que ce sont des délinquants? Mais on parle pas de ça, ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet, Mourad. Ça n'est pas... Arrête de victimiser. Arrête de te sentir victime. Non. Parce que toi qui te sens victime de je ne sais quoi, ou tu crois que le Tunisien, il est machin, il y a 60 ans... Aujourd'hui, comment on règle le problème des populations pauvres sur la planète? Mais arrête, Mourad, il y a 100 ans... Il y a 100 ans, on disait que c'était l'Italien à Aigues-Mortes qui volait le travail des Français. Il y a 50 ans, on disait que c'était l'Arabe. Arrête avec ça, ça n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos frontières? Est-ce qu'on peut encore accueillir des immigrés? Et ceux qui viennent, comment vont-ils se comporter? Est-ce qu'il y a encore des valeurs républicaines dans ce pays? Ou est-ce qu'il y a une jeunesse entre 16 et 25 ans qui pense que la religion c'est plus important que les valeurs républicaines? C'est ça le vrai problème du moment. Est-ce que le vrai problème, c'est la République? Est-ce qu'elle représente ou est-ce que c'est... J'élargis le débat. Non, je n'élargis pas, c'est le seul problème. Est-ce que tu penses que ce problème va se régler à l'échelle de la France ou à l'échelle du monde, Daniel? À l'échelle de la France. À l'échelle de la France. Donc on construit des murs. On a le droit de s'interroger. On a le droit de s'interroger sur notre constitution et on a le droit de s'interroger sur notre place dans l'Europe. Daniel, par rapport au problème. Parce que je te signale. La formule quand on montre le doigt. Mourad, je te signale qu'en Europe aujourd'hui, un pays comme le Danemark, la social-démocratie a des lois qui sont plus dures que celles que propose le RN. Que l'Espagne. Et on verra demain. Je termine. Que l'Espagne, qui était l'un des derniers pays à avoir la gauche au pouvoir, alors que les résultats économiques sont plutôt bons dans ce pays, va se faire balayer par la droite. Et que partout... Donc c'est factuel. Arrêtez avec vos débats inutiles. Sauf que vous oubliez les gens qui crèvent la dalle de bouger. Mais sauf que vous mettez de la politique dans un truc, à mon avis. Ah bah si, ça c'est politique. Le musée des migrations, c'est politique. Daniel, je peux m'exprimer. Continuez avec vos débats inutiles. Ça fait 40 ans que vous faites des débats inutiles. Quand je dis que quelqu'un a faim en France, toi tu as réglé le problème quand il n'est plus en France. Moi je l'ai réglé quand il a plus faim. C'est la différence. Ouais, vous oubliez juste que t'as rien réglé. Mais va par de la chapelle régler le problème au lieu de le faire sur le plateau là. Vous oubliez. Vous faites une projection sur le futur. Vous faites une projection sur le futur d'une campagne qui est menée par le musée de l'immigration. À quoi sert le musée de l'immigration?
à mettre en avant l'histoire de l'immigration. Bah juste, non, c'est précisément ça. Mais donc, si, pas mais, raconter les crânes, mais pas dire n'importe quoi sur Louis XIV. Mais pas dire n'importe quoi sur Louis XIV. Vous êtes en train, mais sers-toi de François-Dominique, tout ça à l'ouverture. Mais tu mets tout ça à l'ouverture sur la fille. Vous êtes en train d'en faire un outil politique, alors que c'est pas un outil politique, c'est juste c'est une espèce de provocation de gauchisme bien pensant de mettre Louis XIV comme ça. Voyons. Un dernier point. Non, non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Stop. J'ai même pas pu dire. Mais tant pis, c'est terminé. Tu démènes avec Daniel et t'es dans ton équipe. Stop. Non, non. C'est fini. En tout cas, oui. La révocation. C'est fini. La révocation. Barbara, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il y a une émission qui va arriver. Il y a Rémi Barré, Estelle Midi qui se prépare. Il est déjà là. Il est sur les starting blocks. Il va venir nous rejoindre. Le temps de regarder le résultat du match. Je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. On regarde très rapidement. Est-ce que c'est le camp de Jérôme Mourad ou Barbara Lefebvre, Daniel Cagnier? C'est 81%. Ouais, ouais. Oui, c'est choquant. Ça a même bougé plutôt en faveur de Barbara et Daniel. Merci, Daniel Riolo. Merci à vous de m'avoir invité. D'avoir participé au match des GG et aux grandes gueules. On va se retrouver lundi avec Bruno Poncel, cheminot, Charles Consigny, l'avocat. Et une petite nouvelle, une commerçante qui nous vient de Montpellier qui s'appelle Sabrina, qui avait joué les grandes gueules au 32-16 et on voulait la faire venir pour participer pendant 3 heures à notre émission. Rémi Barré, bonjour. Il y avait de l'ambiance, Olivier. Il y a un instant, il y en aura aussi dans Estelle Midi. On va parler notamment du harcèlement scolaire. L'école ne peut pas tout. Les parents sont aussi responsables. C'est ce que dit Papendia, le ministre de l'Éducation nationale. A-t-il raison? On parlera des galères en série dans le métro, mais aussi à la SNCF. Est-ce que nos transports en commun sont en dessous de tout? Et puis on parlera des quotas pour limiter le nombre de touristes sur certains sites touristiques. Ça se met très bien ça. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Eh bien vous nous appelez au 3216. Allez, bon après-midi sur RMC. Qu'est-ce que c'est? Attends. Il y a quelque chose là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais qui arrive là? Oh là 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 là. Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui tout ça? Ah ben alors là. Joyeux anniversaire, Olivier! Et le gâteau, il est où? On va envoyer un message qu'on va écouter tout de suite. Il vient d'envahir le plateau. Ce monde de bruit qui fait un peu de poésie, un peu de soleil, près de mon bougainvillier, mon cher Olivier, je te souhaite un bon anniversaire. Voilà, avant de rentrer dans le bruit et la fureur face aux auditeurs et téléspectateurs de BFM TV et des GG. Bon anniversaire, je t'embrasse, on boira un coup la semaine prochaine. Bisous. Merci mon Alain. Joyeux anniversaire, Olivier. C'est beau, Alice, alors qu'il y a des orages. Alors attendez, parce que là, il y a des gens que vous connaissez pas ici. Ça, c'est toute l'équipe de BFM Story sur BFM TV. C'est ceux qui travaillent avec... Il y a Fabrice Pirot, le rédacteur en chef, qui est très maladroit. Et donc, c'est l'équipe de BFM Story qui travaille avec nous de 16h50 à 18h50 sur BFM TV. Il y a des belles photos de toi dans les walls. Oui, c'est sympa. Voilà. C'est quand on prépare l'émission. Ouais, c'est ça. Voilà. On postera sur Twitter dans... Super, mais merci à tous, ça fait très plaisir, c'est très gentil, je m'y attendais pas. Merci Anaïs encore. Et comme quoi le travail, hein, ça conserve, parce que regarde, tu bosses non-stop de 7h du mat. Des belles photos. Regardez. Oui, parce que... Ouais, non, là, c'est un peu too much. Non, c'est une photo d'Olivier qui se change. Il y a des photos de moi nu sur RMC Story, je ne sais pas ce que c'est. Bon, merci à tous. Bon après-midi et bon week-end. On se retrouve lundi 9h pour les grandes gueules. À bientôt. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules. Pour le déjeuner, Estelle Denis vous invite à parler de tout sans tabou. Estelle Midi, tout de suite sur RMC Story. I know what I know, I'm falling on that too. Pumping the beat through. Laissez chaque détail vous inspirer. Kia Sportage, un modèle d'inspiration. Kia, movement that inspires. Kia Sportage hybride rechargeable. Jusqu'à 78 km d'autonomie électrique pour vos trajets quotidiens. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Claire a séjourné dans cet hôtel incroyable. Et voici ce qu'elle a payé. Julie a trouvé le même hôtel sur Trivago et a payé beaucoup moins cher. Trivago compare les offres d'hôtels des principaux sites de réservation pour trouver l'offre faite pour vous. Un hôtel Trivago. Il existe un monde de liberté et d'aventure. Mais impossible de l'explorer depuis un canapé. Sortez de chez vous et vivez-le en vrai. Nouvelle Jeep Avenger 100% électrique. Conçu pour le monde réel.
Nouvelle Jeep Avenger à partir de 229 euros par mois. Chez Maison Verte, nous nous engageons à faire de votre maison un foyer où il fait bon vivre. Avec Maison Verte, vous faites le choix d'un nettoyage efficace tout en ayant un impact réduit sur l'environnement. Une lessive performante même à 30 degrés et utilisant moins de plastique. Maison Verte et votre maison respire le bien-être. Souvenez-vous à quel point vous aimiez les voitures électriques.